Salut, c'est Casse-Gueule, on se retrouve une nouvelle fois sur Amiga et aujourd'hui on est sur Cannon Fodder, un jeu de guerre un petit peu le style Commando, où on dirige une petite troupe de soldats avec la souris, ça se joue exclusivement à la souris, on doit éliminer tous les ennemis et détruire des bases, on va voir ça tout de suite. Là, voilà, j'attends le générique qui commence. Voilà, ça à l'époque ça m'avait marqué. Un générique chanté comme ça avant un jeu, je trouvais ça ouf en fait. Faut savoir que le jeu est disponible aussi en Super Nintendo, je pense aussi en Mega Drive, mais que bon, faut pas rêver, ça chante pas. Après, je dis pas qu'il est moins bien, hein, c'est juste que ça chante pas. Alors ici, on a une colline comme ça, une butte hein, qui est toute verte. En fait, c'est un cimetière et à chaque fois qu'on a un de nos soldats qui est là, c'est des jeunes recrues hein, qui arrivent. À chaque fois qu'on a une recrue qui va mourir, il va y avoir une tombe qui va se mettre sur la butte quoi. Et la tombe va être différente à chaque fois en fonction du grade. C'est-à-dire que si une jeune recrue comme ça meurt, ça va juste faire une croix. S'il devient général, ça va être une tombe déjà un petit peu plus importante. Voilà, c'est comme ça. On va y aller, hein, on va quand même montrer à quoi ça ressemble. Alors je vais pas vous cacher que la première mission, et même la deuxième, c'est du tuto, hein, ça va être extrêmement simple, c'est juste pour nous apprendre à se déplacer, à tirer, et ensuite peut-être à balancer une grenade dans la deuxième mission, mais voilà, c'est du vite fait. Alors voilà, on y est. Donc j'ai mon petit groupe de deux soldats qui est ici. Alors il se dirige au clic gauche de la souris. Par contre, il se déplace en ligne droite. Hein. Si je vais par ici, qu'il y a un arbre qui va nous gêner, ils vont pas passer. Et on tire avec le clic droit. Voilà, ça c'est fait. Voilà, comme je disais, les arbres nous bloquent, faut faire gaffe. Je vais juste traverser, tirer en passant. Voilà, c'est tout. C'est pas très très compliqué, hein, je vous l'avais dit. Alors ici on a un écran qui va revenir à chaque fois hein, quand on gagne, qui est l'Heroes in Victory. Donc ça nous indique, c'est un écran de victoire où on voit nos soldats qui prennent du galon, hein, qui montent en grade. Mais il y a un autre écran qui peut apparaître avant celui-ci, qui est en fait un écran qui va plus ressembler à un enterrement, du coup qui nous indique les soldats morts au combat. Je trouvais que c'était assez sympathique de faire ça comme ça. Alors au début on se dit on a quand même énormément de recrues pour faire des missions qui sont quand même assez faciles. Alors, je pense que quand on a plus de recrues on est game over. Voilà. Et bien on va enchaîner sur la deuxième mission. Ça devrait être assez simple et on fera peut-être la troisième après aussi. Mais voilà. Donc ici maintenant on est trois. Et ça va être un petit peu plus long, mais ça va pas être vraiment plus compliqué. Alors voilà, on y est. Alors je vous cache pas que je zappe un petit peu les temps de chargement au début des missions, parce que c'est vrai que ça c'est assez long. Pour pas que ce soit trop désagréable non plus, j'ai coupé. Voilà, pour l'instant ça se passe plutôt bien. On va traverser le pont, hein, mais on va d'abord nettoyer. Je préfère passer par le pont parce que quand on est dans l'eau, on ne peut pas tirer. Donc il faut faire attention à ce que nos soldats ne se retrouvent pas tous dans l'eau en même temps. Sinon, ça peut être embêtant. On continue. Graphiquement, ben je le trouve plutôt joli, même si à l'heure actuelle, on est plutôt embêté par la résolution de l'époque. Nos écrans actuels ne sont plus du tout adaptés à cette résolution. Il faudrait peut-être que j'ajoute des scanlines ou quelque chose comme ça, mais j'aime pas trop. Moi, je préfère jouer comme ça. Alors, la deuxième phase, détruire le quartier général ennemi, ça, je sais faire. Alors, on y va. Ah, regardez! Le pauvre, il est en train de souffrir.
Il va falloir qu'on l'achève, sinon on ne pourra pas valider notre mission. Mais attendons un petit peu. Voilà, c'est bon. J'ai été sympa, je l'ai achevé. C'est surtout que sinon, on ne valide pas la mission, on doit tuer tout le monde. Même si en réalité, en temps de guerre, l'ennemi préfère blesser l'ennemi plutôt que de le tuer, parce que, en fait, remettre un soldat en état, le soigner, ça coûte plus cher que de l'enterrer. Voilà, c'est tout. Non, c'est une petite anecdote comme ça. C'est historique, hein, c'est pas de la connerie. Oh, j'ai perdu un soldat. Crotty. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive sur cette mission. Je ne fais pas attention. C'est pas grave. Ce sera l'occasion de voir l'écran. Des morts, quoi. On arrive à la fin de la mission. On remarquera qu'à côté de la cabane, je vais y arriver, on la voit pas encore. Il y a une caisse de munitions. Je pourrais tirer dessus pour la faire exploser. Et ce serait vite fini. Mais je vais plutôt essayer de prendre cette caisse pour me servir des grenades. Et balancer une grenade. Voilà, c'est juste comme ça, on aura vu comment balancer une grenade. Allez, viens chercher cette caisse. N'est-ce pas que vous l'avez ? Voilà, par là, tu prends. Ok, ça c'est fait. Ah, j'ai perdu un deuxième gars, j'ai pas fait gaffe. Mais j'en ai perdu deux, j'ai fait fort. Mais c'est pas grave, on verra les petites tombes comme ça. Ça va être bien. Voilà, donc là c'est l'écran des soldats perdus, morts en service, quoi. Jobs, il est tout. C'est triste. Ensuite, on a l'écran de victoire, hein, qu'on a déjà vu. Mais là j'ai zappé. Et on voit qu'on a des petites croix de merde. Parce qu'on n'était pas gradé. Si Jules viendrait à mourir maintenant, ce serait différent. Ce serait bien qu'on le fasse à la limite. On va aller voir ça. Mais je pense que ça va être un petit peu long comme mission. Je vais peut-être pas la faire. Même si ça peut être sympathique parce qu'on sera peut-être pas dans le même décor. Mais voilà, c'est ça. On est en Antarctique. Du coup, on va peut-être se balader un petit peu, ça pourrait être intéressant. Voilà, on y est. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de grenade, donc je ne peux pas détruire cette cabane-là, celle-là non plus. Donc, on va pas trop traîner ici, parce que les ennemis vont pop à cause des cabanes. Par contre, là, je vois qu'il y en a. Donc, on va faire attention à pas les faire péter, et on va aller en récupérer. On va tout prendre, hein. On va pas se faire chier. Voilà, on a tout. On s'écarte un petit peu. Ah, j'ai perdu. Ah ben j'ai perdu mon plus haut gradé. Avec ma propre grenade. C'est bien joué. Ouais, j'ai pas fait gaffe, j'étais trop près de la grenade. Voilà, ici, il y a encore des grenades, mais je pense que j'en ai largement assez. Voilà. Il va falloir que je remonte. Il y a sûrement une petite montée comme ici pour aller au-dessus. Je la vois là-bas. Quoique j'aurais peut-être pu détruire la cabane d'en bas en balançant la grenade, j'ai pas fait attention. Allez, remontez. Ils ont quand même du mal, voilà. Bon, ben je suis mort, tant pis, tant pis. À la limite, c'est pas plus mal. On verra donc
l'écran. Ah, mais non, ça recommence direct, oui, c'est vrai. Non, j'aurais cru qu'on aurait pu voir le cimetière, mais c'est pas grave. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt sur un prochain jeu. Salut!